Coucou, Lady Sonia, ça a cuit. Elle a fait Lady Sonia à Monchique, les deux coches. Oui, celle-là qui voulait mépriser à Monchique a été ridiculisée par Belle Bijou qui a dit qu'elle va chez les marabouts. Oui, Belle Bijou a déclaré que Lady Sonia va chez les marabouts. Mes amis, vous êtes sans ignorer que depuis quelques jours sur la table, on nous parle de ces deux coches, Lady Sonia et Amon Chic. Tout partirait donc du fait que Lady Sonia aurait sa tournée en Côte d'Ivoire et qu'elle était interviewée par plusieurs médias, et en particulier un où elle a déclaré qu'elle était la Daichi des coches, la seule, que les autres là, ce sont les couronnes, les petites perles sur sa couronne. Lorsqu'on lui aurait demandé mais qui est sur la photo, en lui montrant la photo de la coche à Monsi, elle aurait dit qu'elle ne la connaissait pas du tout. Erreur! Car c'est de là que démarre tout le déferlement qui surgit sur elle, sur la toile, là, partout, je vous assure, mes amis. Oui, parce que beaucoup de gens ont fait le remind, on a rentré les vidéos, les audios et tout, sur le net, là, vous-même, vous savez, non, les captures et les CCO, il paraît qu'elle a harcelé même pour être son amie, comment elle se parlait au téléphone pendant des heures. Et une fois qu'on lui demande si elle la connaît, elle dit non, elle ne la connaît pas. Non, tu as fait fort, Lady Sonia. Voilà alors comment elle s'est mise dans les problèmes. Tous ceux qui supportent alors Amon Chic se sont déferlés sur Lady Sonia. Comme quoi, mais tu viens en Côte d'Ivoire et tu oses mépriser une Ivoirienne. Même le général Makossa en a parlé que non, ça ne se peut pas, Sauf qu'on oublie que lui-même apparemment il a fait un truc pareil comme ça au Camerounais. Mais bon, laissons passer. Bref, voilà alors comment tout le monde parle mal de Lady Sonia et c'est comme ça que les cafards et les morts sortent des placards. Oui. Belle Bijou entre alors en scène. Go a fait un direct l'autre jour où elle n'est pas allée de même mot avec la Seniora Lady Sonia. Oui, la fille l'a saqué, vous entendez, non? Les secrets étaient dehors. Oh, que les marabouts. Oh, j'ai lavé les fesses. Oh, j'ai fait ci. Oh, elle m'a envoûté. Oh, toutes ces déclarations, c'était que tout mon argent que je touche, c'est seulement pour lui donner. J'ai dit qu'on a vu de toutes les couleurs. C'était des heures de. Ma façon elle a parlé là, je me demande si Lady Sonia s'y respire même encore là où elle est. Parce que la façon elle a parlé, jusqu'elle a voulu même introduire les enfants dedans avant de dire que non. Moi-même j'ai les enfants, je ne peux pas mettre. Mais la go a lâché quand même que Lady Sonia a fait des choses, même par rapport à ses enfants, pour avoir de l'argent. Je n'imagine même pas la suite, hein. Lago a dit qu'ici là, non, je ne lâche rien, je sors tous les secrets, que d'ailleurs, début janvier 2022, là, ça va se savoir, les audios seront dit, oh, c'est les choses que Lady Sonia aurait dit sur elle et sur beaucoup d'autres. Elle a même passé le témoin à Ibrahim Larson, vous le connaissez, non? Le pape du Congo, ça, maman. Hé! Imaginez alors le détail, les détails que vous aurez quand celui-ci va mettre la main dessus et qu'il va vous relater les faits, parce que le gars est fort dans ces choses-là. Pendant ce temps, notre chère Kavia est elle tranquille dans son coin. On ne l'entend pas trop parler. Bref, moi, je n'ai rien vu. Et Belle Bijou a pris le relais à main. Elle a fait sa part avec. Maman, les amis, ça ne nous a pas échappé. Belle Bijou a dit que pour se désenvoûter de ce que la coach Lady Sonia lui avait fait, elle a dû aller dans de nombreux endroits. Et en particulier au Bénin. Et comme quelqu'un a dit, maman, au Bénin, cling, ça vous dit quoi? Les gens qui partent au Bénin, là. Une chose est sûre, mes divas, c'est que Lady Sonia dit que ça ne peut pas s'arrêter là comme ça et que ce n'est pas ce qu'on pense qu'elle a dit, mais qu'elle reviendra sur la question avec des trucs, les détails bien croustillants après sa conférence d'Abidjan. Restons à l'écoute. Ciao, ciao!